parti. Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver après ces vacances, ça m'a fait du bien. Alors oui, j'ai pris des vacances, hein, comme la plupart des gens, entre le 1er août et le 30 août, il n'y a personne. Hein. Quand tu vas dans un service public, à la poste, aux impôts, il n'y a absolument personne. Bon, attention, hein, c'est de l'ironie, il y a vraiment quelqu'un dans ces services publics. Et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je critique les services publics, puisque d'un jour ou l'autre, je vais en avoir besoin. Donc... Alors, je ne vais pas vous mentir, il y a des choses qui ont changé. Alors pas la chaîne, elle reste comme elle est. J'ai pas vraiment de changement hein, pour la chaîne, je vous le dis. On va toujours faire une vidéo par semaine, le dimanche à 18h. J'aime bien ce rythme, j'ai pris le coup, vous voyez. Donc, je suis habitué, donc on va continuer. Ce qui a changé, c'est mon ordinateur qui est ici à mes pieds. Et puis le bureau, en fait, qui a changé pendant les vacances. Vous l'avez certainement pas vu, donc je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. Bien entendu, on aura le temps d'en reparler. L'ordinateur, il y a le processeur et la carte mère qui ont changé. Et oui, je vous referai un petit tour du setup aussi en cette saison. Et puis Z, c'est tout. Écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire. Je suis de retour, je suis content. Mon Dieu, quel été, qu'est-ce qu'il a fait chaud. Rappelez-vous de ça, hein, l'été 2019, c'était hot. Hein. En termes de chaleur, tu vois, un ordinateur, comment ça chauffe? Bon, à l'intérieur, hein. Et ben nous, le niveau de chaleur ambiante, c'était au-dessus encore. C'est vraiment un délire, quoi. Bon, alors, si vous voulez un petit peu d'actualité cocasse du style Apple vient de se foirer avec sa Apple Card, la fameuse carte bancaire, Apple devait lancer sa Apple Card, ce qui a été fait donc aux États-Unis, et ça va bientôt arriver en France et en Europe. Alors, pour l'instant, c'est toujours en négociation, etc., etc., avec les banques, mais il faut savoir qu'ils travaillent avec la Goldman Sachs, la banque américaine. Et donc, la nouvelle Apple Card, techniquement, c'est une carte en titre avec un revêtement triple couche, donc une peinture blanche triple couche par dessus, et ça donne un effet assez joli avec le logo d'Apple dessus, votre nom, votre prénom, votre numéro, etc., etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont testé l'Apple Card dans un portefeuille en cuir. Alors pourquoi spécialement un portefeuille en cuir? Parce que ça a une tendance à plutôt agresser certains objets, dont la Apple Card. Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Apple Card a souffert, elle a pris cher en fait, hein, du passage dans le portefeuille en cuir. Et donc il y a une photo qui a traîné. Si je vous la retrouve, je vous mettrai le lien dans la description de la photo, du petit truc que j'ai retrouvé sur Twitter. Et en fait, on voit clairement que la Apple Card elle en chie, la petite Apple Card. Donc en gros, c'est pas la première fois qu'Apple a des problèmes avec le revêtement en titane, puisqu'ils avaient il y a très longtemps essayé de faire ce qu'on appelle un iMac G4. C'est des anciens ordinateurs qui étaient donc avec un revêtement fabriqué avec un revêtement entièrement en titane et une peinture par dessus. Et en fait, ce qui se passait, c'est que la peinture s'est caillée et s'en allait. Voilà, tout simplement. Donc pour une bécane qui vaut 2 salaires, c'est pas terrible. Et ben là, il se passe la même chose avec la Apple Card. Le revêtement par-dessus triple couche se barre, tout simplement. Ça tient pas sur le titane. Donc Apple va devoir remédier à ça. Alors pour l'instant, j'ai pas plus d'infos, je me suis pas plus documenté. C'est dingue comment une marque multimilliardaire comme ça peut se retrouver avec des défauts à la con, hein. Vraiment des trucs tout bêtes. Voilà, ça c'était la petite info que vous pouvez prendre comme ça au pinceau. Je suis revenu. Je suis super. Je sais pas quoi vous dire. Je suis assez ému. Je suis revenu. Punaise. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. On est à 640 et quelques abonnés. Objectif 700, vous le savez. Toujours plus, toujours plus haut, toujours plus fort, vers l'infini et au-delà, comme dirait l'autre. Donc allons-y, on clique sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche. C'est hyper important, comme tout le monde vous le dit. Je sais pas du tout si je vais ouvrir un compte sur Mixer. Alors j'aimerais bien, je vais certainement ouvrir un compte sur Mixer. Je vous tiendrai au courant quand j'ouvrirai un compte sur Mixer. Parce que là en ce moment il y a de la hype sur Mixer, donc... pourquoi pas. Il y aura des lives aussi, je vais essayer de faire des lives un peu plus souvent, étant donné que je vais avoir une configuration qui va être faite pour maintenant, je vais pouvoir techniquement faire des lives en Full HD, etc. De toute façon, je vous préviendrai comme d'habitude quand je ferai des lives, je vous mettrai une notification avant que ça démarre. Donc oui, je serai en live, je vous le dis, je serai en live, et en live pas que comme ça, je serai également en live sur des jeux, je vais essayer de jouer, et ouais. Là en ce moment, je suis vachement en train de jouer sur Apex Legends, hein. Je suis en train de poncer le jeu à fond. Et je retourne un petit peu sur Fortnite de temps en temps, ça fait du bien de revenir en base. Même si sur Fortnite, il n'y a que des ramasse-miettes. Tu joues en section, les mecs, ils te prennent le vieux fusil à pompe blanc alors qu'ils pourraient te le laisser. Enfin bon. Je suis de retour pour cette nouvelle saison. J'espère que vous avez passé un très bel été. Et puis moi, je vous dis à très vite, bien entendu, comme tous les dimanches à 18h. C'était Seb. Ciao! We'll be right back.